Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. La lutte contre les violences faites aux femmes s'intensifie en Guadeloupe. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et les femmes, justement, de plus en plus présentes sur la scène politique, c'est l'objectif de la plateforme caribéenne Boss Lady. Et enfin, les services de l'État se modernisent avec le lancement d'une nouvelle page Instagram. Mais avant de développer ces titres, Marie-Luce Panchard et Harry Chalus sont placés en garde à vue depuis hier matin. Le président de région et la maire de Basse-Terre ont été auditionnés dans l'affaire Pascal Averne. On rappelle qu'il est accusé de détournement de fonds publics au sein de la région. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. 1134 femmes ont été victimes de violences depuis le début de l'année, soit 6% de plus que l'année précédente. Alors pour lutter contre ce fléau, eh bien plusieurs opérations de sensibilisation se mettent en place. C'est d'ailleurs l'objet d'une conférence organisée par Tania Galvani demain. Marius Mathieu a pu la rencontrer. Le chiffre fait froid dans le dos. En France, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Ici en Guadeloupe, le nombre de femmes victimes de violences s'élève à 1134 depuis janvier, selon les services de gendarmerie. Des statistiques en hausse par rapport à 2018, qui ont conduit Tania Galvani à organiser une conférence débat sur le sujet. Pour l'avocate et conseillère municipale de l'opposition à Pointe-à-Pitre, cette violence est un fléau social à combattre. Il faut savoir que nous en sommes au 125e féminicide depuis le début de l'année. Ce sont des statistiques à l'échelon national, mais malheureusement, la Guadeloupe n'échappe pas à ce fléau. Donc il était important de continuer à se pencher sur cette question, à réfléchir ensemble à des solutions. En fait, ce que je souhaite, c'est faire un état des lieux, c'est-à-dire en Guadeloupe, où en sommes-nous de la lutte contre les violences faites aux femmes? Puisque les violences faites aux femmes, ça recouvre vraiment un panel très large, parce qu'on entend souvent parler des violences conjugales, mais ce n'est pas seulement ça. On peut penser aussi au viol, on peut penser aux violences psychologiques, donc il y a vraiment un large panel. Donc, où est-ce qu'on en est de la lutte contre toutes ces violences dont les femmes sont victimes, premièrement? Et deuxièmement, que faisons-nous? On commence à réfléchir, on poste des pistes de réflexion, de solutions pour demain. On essaie de bâtir quelque chose pour l'avenir. La conférence sur la lutte contre les violences faites aux femmes en Guadeloupe se tiendra jeudi soir au centre culturel Rémy Nansouta à Pointe-à-Pitre. L'entrée sera libre et gratuite. De quoi briser le silence sur ce sujet encore tabou? Et en parlant des femmes, justement, elles s'engagent. C'est le nom de la campagne de sensibilisation lancée par Caribbean Boss Lady, une plateforme qui appelle les femmes à rentrer en politique. Alors objectif, féminiser le paysage politique local, mais surtout faire valoir leurs droits. Reportage de Marjorie Nadal. Depuis 2 ans, Axelle Collandjean ne quitte jamais son ordinateur des mains. C'est en laissant un poste de directrice de communication en politique qu'elle décide de lancer sa propre plateforme numérique, Caribbean Boss Lady. Un pure player qui encourage les femmes caribéennes à assumer et affirmer leur leadership. Depuis, elle cumule les 30 000 consultations du site par mois. On met le doigt là où ça fait mal. S'il y a des femmes, mais aussi des hommes qui nous suivent aujourd'hui et qui interagissent avec nous, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément dès lors qu'il s'agit de place de femmes dans nos sociétés caribéennes. Ce succès immédiat l'a poussée à aller encore plus loin. Avec la journaliste indépendante Mylène Colmar, elle décide de créer en 2018 Objectif Boss Lady, un site d'analyse d'information avec un angle toujours féministe. Avec l'aide d'émissions et de podcasts, elles invitent les femmes à entreprendre dans toute la Caraïbe. Il faut oser briser tous les plafonds de verre, qu'il faut oser s'engager, oser faire mentir le sort et les déterminismes afin de pouvoir apporter quelque chose de différent dans cette société guadeloupéenne qui a tant besoin de nous, qui nous accepte, nous femmes, quand on est dans le milieu familial, entrepreneurial, mais qui a encore du mal avec les femmes en politique, bien que nous ayons des exemples tels que Gertie Archimède, Madame Borel Incertain, mais quand il s'agit de distribution de portefeuilles, de délégations, ces messieurs ont toujours tendance à reléguer les femmes comme petites mains ou encore à les faire œuvrer dans la culture, le social. Alors, depuis 2 semaines, elle a décidé de lancer une campagne de sensibilisation à l'engagement politique des femmes. Ce mouvement, Elle s'engage, s'inspire de personnalités telles que la sénatrice Victoire Jasmin ou encore la députée Justine Bénin. Les municipales approchant, elles souhaitent transmettre un message. Faisons de la politique à la maison quand nous avons des enfants. Nous sommes négociatrices. Nos premiers administrés sont nos enfants. Nous sommes négociatrices. Nous gérons le budget. Nous faisons face à l'adversité. Nous faisons preuve de créativité. Comme disait Michelle Obama, ne laissez
personne. Personne parlait pour vous. Dans deux semaines, la plateforme Caribbean Boss Lady sera présente à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour l'Africa Web Festival. Et s'il y a une femme qui a réussi à faire parler d'elle sur le terrain politique, c'est bien Lucette Michaud-Chevry. Elle a d'ailleurs été renvoyée devant le tribunal correctionnel dans l'affaire Madine Ekouti, une décision contre laquelle elle a décidé de faire appel. La chambre d'instruction, elle, doit alors se prononcer aujourd'hui. Les services de l'État renforcent leur présence numérique avec le lancement d'un nouveau compte Instagram. Le compte préfet 971 regroupe alors les différents services comme la gendarmerie ou encore la police nationale. Objectif, valoriser leur action sur les réseaux sociaux. On écoute tout de suite le préfet à ce sujet. Alors les services de l'État sont très présents et particulièrement la préfecture sur les réseaux sociaux. Nous avons un compte Facebook depuis 2014 avec 43 000 abonnés. Nous avons un compte Twitter qui a 20 000 abonnés aussi, qui est né en 2014. Et là, il fallait compléter la palette avec ce compte Instagram, tout simplement parce qu'il s'agit de continuer à moderniser cette image de service de l'État que souvent on ne connaît pas. Et puis deuxièmement, de s'adresser à une tranche de population. On sait très bien que Instagram, c'est les plus jeunes, c'est les 14-24 ans. Et donc on espère avec ce compte Instagram être au diapason d'une catégorie qu'on touche peut-être un peu moins. Ce sera important aussi d'avoir ce compte Instagram pour gérer les crises, puisqu'on pourra, avec la mise en place de stories, suivre une alerte météo ou une alerte cyclonique avec un autre support que ceux que nous avons habituellement, c'est-à-dire les pages Facebook ou les comptes Twitter. Une présence numérique qui renforce donc l'action des services de l'État sur le terrain. Ils ont d'ailleurs été sollicités ce matin au Moule. Des tirs ont alors été entendus près du cimetière. Il n'y a heureusement aucune victime à déplorer, mais un suspect a pu être interpellé. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La lutte contre les violences faites aux femmes s'intensifie en Guadeloupe. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Les femmes, justement, de plus en plus présentes sur la scène politique, c'est l'objectif de la plateforme Caribbean Boss Lady. Et enfin, les services de l'État se modernisent avec le lancement d'une nouvelle page Instagram. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.